ma terre ouvrière d'ombre et de décombre, avec douleur maligne, mes rêves, tes rêves, tous nos rêves en archipel, et ces rêves qui nous tiennent lieu de passerelles, mes passerelles, mes ponts, mes échelles brodées d'ailes, avec ma mêle qui saigne. Je porte en moi toutes mes racines. Je porte en moi toutes les douleurs humaines. Je porte en moi tous les désastres et les astres de ma ville. Un déluge d'araignées folles, je broute mes métaphores et je me cogne à mon vertige. J'ai commencé à 18 ans. J'ai obtenu une bourse à l'Académie des Beaux-Arts de New York. Donc j'ai été boursier de l'Académie des Beaux-Arts. J'ai étudié pendant 5 ans. Donc j'ai étudié la peinture, l'art graphique et la sculpture. Au lieu de scène juste statique, c'est l'esprit de la scène que je peins. Fou, toujours fou, refou. Hier fou, aujourd'hui fou, demain encore plus fou. Port-au-Prince, Port-au-Prince. Port-au-Prince créole, Port-au-Prince drôle, Port-au-Prince tchac, 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 Port-au-Prince brac, 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 Port-au-Prince flat, Port-au-Prince flat, Port-au-Prince flat, Port-au-Prince flat, Port-au-Prince flat, Port-au-Prince tchac, Port-au-Prince tchac. Thank you.
suis un peu en dehors des normes. Je préfère, je reste à l'écart. Je fais ce que j'ai envie de faire, la façon que je veux le faire. Et ça me va assez bien. Moi, comme je voyage beaucoup, je regarde beaucoup, je vais dans les musées. Donc, ma conception de la peinture est un peu différente de celle qu'on a en Haïti. Je suis un peu différent. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment fait partie des peintres haïtiens. Toutes les expositions qu'ils ont fait, j'ai jamais été vraiment présent là-dedans. J'ai toujours suivi mon chemin. Et je pense que la peinture étant universelle, elle doit représenter des images sorties de n'importe où, de partout. Je me sers de l'huile, l'acrylique et l'aquarelle. J'utilise beaucoup de craie aussi, de fusain, de pastel, des choses comme ça. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Je fais la peinture figurative depuis que j'ai commencé. Avant, j'ai passé une période cubiste qui a été assez rapide. Ensuite, j'ai fait des expériences au niveau du surréalisme, différentes étapes. Mais j'ai réalisé que la peinture figurative, c'est la façon qui me convient le mieux de m'exprimer. Ces jours-ci, j'essaie de chercher à l'intérieur des êtres, des choses aussi, pour trouver quelque chose qui n'est pas voyant de l'extérieur. Mon travail, ça consiste surtout à faire sortir la texture à faire sentir les objets et les gens que je peins. Je veux faire sentir la peau, je veux sentir. Avoir une idée de se rapprocher très près de la personne pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Je travaille sur cette idée-là. Même les natures mortes aussi, c'est, ou bien par exemple ce tronc d'arbre, qui en réalité pourrait être inaperçu, mais quand je le peins, je lui donne une vie. Donc comme ça, les gens peuvent regarder et sentir quelque chose à partir de ça. La vie a besoin de silence. Et si tu regardes dans le noir, tu vas voir le dessin apparaître. Ça signifie que c'est un travail de maïtique. Le maïtique, ça signifie que c'est que je mouille le papier. Je mets les couleurs dans mes mains. Mais avant, je me suis préparé spirituellement et puis j'étale mes mains. Et puis ça envoie l'énergie. Ça signifie que c'est l'énergie rose en moi. Ça, c'est le rouge. Ça, c'est le jaune qui est en moi. L'énergie jaune. C'est comme moi. Tu vois, Mika, c'est comme une radiographie. Thank you.
rage de l'orage qui gronde dans mon ventre et chienne et ma mémoire. Aux jappements de ma ville, aux aboiements de ma ville agacée, ma ville excitée, ma ville survoltée. Joie, jubilation, la danse transversale, dedans ma ville inverse, mon underground, dans un rêve à l'envers, ma foi saline, ma foi sauvage, m'exprimer vaudou, le balai de ça, ça mal. Mais parfois, je prends un pour me créer un bagage qui est bien, puis wow, de changer. Je fais un bagage qui est mal, je parle de cimetière ou bien de sirène. Et puis, pas ou bien parler de cafou, de loi. Parce que je ne veux pas me faire mon paquet de chasse. Je suis un maman qui dit que ma famille est toujours essayé pour reprendre un zombie, pour faire mon travail. Parce que je dis que j'ai pris force. Et peut-être ça, je suis toujours. Je suis toujours sous ta page. Je vous dis que j'ai un mot qui m'a aimé, puis sans vie. Mais c'est à partir des petits que je m'exprime, que j'aime. Je suis fâché, je suis allé plus loin. Je suis allé carton de travail, ou bien je suis allé flap, je suis fini. Ça dans l'idée, ça m'a envie de à partir de ça vivre, ça m'a duré la vie, ça j'aime comprendre la vie, j'aime comprendre la vie de l'autre monde et j'aime voir la situation. C'est la façon ça me crée par exemple. Et quand c'est des tabous dans la société, on dit j'ai dénoncé, on est là. Pour parler de la politique et sociale et économique, dans le système ça, mais la création et travail sur religion, spécifiquement vaudou, qui parle de la société. Et alors je me réveille au milieu du cauchemar. J'appelle, je crie, je traverse, je retraverse Port-au-Prince, ma ville inachevée de feux inverses, ma ville de vent contraire. Je vais faire avec le premièrement, connaissance, et deuxièmement, le lot. Qui tu es là pour vaudouin, nous prenons pour symboliser la vie et la mort qui sont guidés à même la raison ça me travaille avec tête. Bon, et puis qui savent, nous travaillons avec Clou tout, Clou à lui-même, son bagage doit faire quand même, pas quand il va faire en Haïti, solide là, là, si tout le monde va se faire, le ministre n'est pas son faire, mais pour mettre la taille, quand il va faire un tout. Je travaille avec eux parce que Chloé même c'est lui-même qui solide car là parce que côté moi il est en plus. Plus car le boy ça il est en lui. Donc Chloé je travaille avec eux, je travaille pour faire lui. Je fais le bagage avec mais c'est plus ça me vient sous même yo, c'est pour ça que je crée le bagage. À partir de ça me vient sous même yo, ça me fait une création. Les artistes résistance sont résistance mine lutter contre l'injustice sociale. Par exemple, dans la zone où il y a la. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, malgré ça, on paye. Il y a des exemples qui sont bonnes, on doit payer les lois, on ne fait pas de paquet avant de les lois, mais ça, c'est une forme d'injustice.
monde dans le monde a brisé contre la justice sociale. Alors c'est un mouvement ça, d'ailleurs, qui s'appelle la Gopal. Et mouvement ça a 6 résistances, la possibilité contre la justice sociale, pour faire au l'autre barrière, pour traverser le barrière, pour trouver le l'autre point. Je suis parti de la culture européenne. J'ai beaucoup étudié les grands peintres européens. Matisse, Picasso, Van Gogh. Hein? J'ai étudié leurs œuvres. Ensuite, à partir de là, je me suis intéressé aussi à quelques peintres de la zone, comme Basquiat, comme Wilfrido Lam, qui sont plus près de moi. Au point de sensibilité, qui sont plus près de moi. C'est-à-dire, c'est un tout, c'est un mélange qui a abouti à ma personnalité comme peintre. Ça, c'est le monde d'Agoué. Et j'ai représenté Agoué, hein, la déesse, avec cette forme-là. J'appelle cette pièce-là anthropologie noire. C'est-à-dire, c'est pour montrer l'aspect de la culture noire. La culture noire dans ses différents aspects. Hein? Donc, comme c'est pas une toile complètement abstraite, mais on voit des sujets se détacher, on se questionne au sujet de. En fait, on se questionne, c'est quoi ça? C'est quoi ce que je représente? Et je laisse à l'observateur, au regardeur, le soin d'interpréter à sa façon. Tout ce qui se rapporte à la peinture, je trouve les éléments à travers la culture haïtienne. Et donc on voit facilement, c'est-à-dire la plupart de mes tableaux, tous mes tableaux montrent en réalité des aspects de la vie courante haïtienne, des aspects de la vie qu'on rencontre dans les rues, à la montagne, un peu partout. Et certains aspects aussi historiques, c'est-à-dire des événements qui se sont passés dans le pays. Travail ça, c'est un don lié pour moi. Et puis c'est après une révélation que j'ai fait. Et puis maman m'a dit de tracer lui. M'a fait corps parce que pour ne pas travailler à mon encore, parce que pour gagner un désastre dans le pays, il n'y a pas bien travail pour jusqu'à nouvel ordre. Et puis vraiment vrai, m'a levé, m'a pris 4 morceaux de bois. Et puis, je me suis collé, je me suis formé un châssis, et puis, premier Eve, ça m'a tracé. Quitté une dame avec une petite petite, qui c'est une résilie dans le temps. Bon, pour moi-même, moi, c'est le plus gros don, bon Dieu, avec l'esprit que tu es capable de mettre dans même. L'expiration en lui-même, c'est. Par exemple, moi senti que moi on bagaille, c'est comme une vision parce que c'est pas un bagaille. Et ça fait m'pas faire Eve plusieurs fois. Les monde qui gagne tout gagne, ça pas gagne non, c'est que ça a pas pu faire encore. L'hôtel ça lui-même il représente Bossou et puis qui c'est Bossou, c'est un lieu habitation et qui sorti bon maman et puis tout qui vient devient bon papa Moussi. Bossou qui sa Bossou fait, c'est une loi et dépoté qui montre où et qui parle de la nature.
yo toujours dit loi ou méchant. C'est pas méchant, pas gagné loi qui méchant. Loi, li là pour protéger maître li, famille. Li ba toujours est li gen chien qui accompagne li et puis li même li nan barrière, c'est li même qui à l'entrée, c'est lui même qui pour recevoir. Si pour entrer, c'est les bacs pour ouvrir porte ba ou pour entrer. Mariage la sirène, même gens où est nous même l'homme, nous mariés, esprit au marié aussi. Gagne madame, gagne monsieur, yo fait petite. Si yo pas fait petite, yo pas jamais capable de parler de chaque loi compte 7, 17, 77, 101, 401 bon. Et puis qui a combattu avec 401 mauvais, qui a ramené, qui a repoussé tout. Et si une tête de sef, c'est pour traitement, c'est pour plante ou pas qu'à joindre là, dans le grand bois là. Et plante ça aussi en bas la main. Comme sef là, si vous prenez un bagaille qui contragise, et avec comme ça, vous gragez lui. Li descend poison, li descend tout mauvais nom. Mais tous mes trucs ont toujours été très souvent inspiré par les instruments et les recherches que je fais avec toutes sortes d'instruments indigènes et primitifs et voilà. Et le berimbau est très ancien aussi comme instrument et qui m'intéresse beaucoup, et voilà, avec la calebasse et l'arc. C'est l'arc à flèche qui est devenu un instrument. Et je baigne vraiment dans un univers très indigène et la série que j'ai fait récemment était beaucoup très, très inspirée de cette culture. Celui-ci a déjà plusieurs années. J'ai fait ça en sortant de Cuba, de voyage à Cuba, et inspiré de l'Elegua, qui est l'esprit des chemins, le carrefour de chez nous. Ça, c'est Grand Bois, voilà, qui est un esprit indigène taïno. Mais les éléments sont occasionnels parce que ça c'est un arbre qui est tombé là et c'est un mapou qui était tombé là et récupérer les épines pour faire ce collage. L'année passée j'ai fait plein de têtes, des visages et des visages, des sages, des peuples premiers aussi, toutes sortes de gens. Il y a des peintures qui datent aussi, qui sont là, qui datent de l'occupation, enfin, la deuxième occupation américaine, des soldats et tout ça. Tu vois, où j'utilisais les coupures de journaux qui sortaient pour pouvoir inspirer les pièces. Reconstitution d'Haïti. Mon univers, c'est un univers de son, et un univers de chaman, un univers de culture pour des peuples premiers. L'histoire de l'Homo sapiens m'intéresse beaucoup. L'histoire de l'homme et de l'évolution m'intéresse beaucoup. Donc je vais faire beaucoup de recherches et mon intérêt est dans les instruments et tout ça parce que là je vais aussi au berceau de l'humanité où les instruments, la création d'instruments nous ont permis de faire beaucoup de choses et nous ont permis aussi d'évoluer. Pour moi cette chaise c'est un peu c'est le labyrinthe et c'est le labyrinthe du pouvoir et cette chaise est au milieu du labyrinthe du pouvoir. Mais elle est debout sur des blocs qui sont un symbole de la reconstruction d'Haïti qui ne s'est pas vraiment jamais faite. Donc il y a les requins dans le labyrinthe, tu vois. Il y a toutes sortes de requins qui ont tourné autour du pouvoir. Donc pour moi c'était un peu ça. Tu vois, donc je sors aussi en dehors de ce que j'appelle mon univers, mais ça aussi, ça fait partie de mon univers parce que mon pays fait partie de mon univers.
le printillé dans Révélation, moi bon fille qui paraît fille a dit prêt ça m'a adapté dans tableau mieux. J'étais là depuis avant 527 000 années. Corrélation en direct à l'univers. Parce que nous avons travaillé, moi des anges qui sont dans le soleil là, capoté couleur pour moi. Parce que j'ai l'univers qui porte toutes les planètes. Sorti dans l'univers, aller dans Royal, rejoindre la princesse là, la reine du soleil. Sorti dans Royal, entrer dans mon invisible, rejoindre des esprits qui ont formé des lois et plusieurs quartiers. Par avant, pas un chanteur, ni un poète. Mais à l'aide de ce soleil, je rêvais à une dame qui est dans la ville, qui a promené chercher toutes les coffres. Et puis, une dame qui a atterri dit sous baisse le voie exil, descend sur la bataille. Et puis, je regardais, moi, la ligne a clairé tout en dedans, quand même. Mais il était à hauteur d'homme. Et puis, je me dis, oh, moi, je suis venu sur la terre. Il dit, oui, je suis capable de faire belle bagarre pour ne pas me citer pour moi, chanter pour moi. Je dis, non, même pas qu'on chanter. Et puis, même côté à tout. Il commence, il dit, le voir nous, ouais, fille qui est dans la ligne, non. Le voir nous, ouais. C'est soleil, oui, moi, soleil ou levé, levé, au soleil ou parti partout, pas dit côtoyé. Soleil, soleil, soleil ou levé, ou pas dit côtoyé. On a longtemps dit que je faisais des autoportraits, une façon de dire que ma peinture me représentait, mais sans les explications qui peuvent accompagner une description de ma vie, parce que je me sers beaucoup d'alcool et de stupéfiants pour peindre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le moment où ça devient quelque chose qui me dépasse. Il n'y a pas, je n'ai rien à raconter, tous mes tableaux sont sans titre. Il n'y a pas d'histoire. C'est une dimension sublime de l'être qui m'intéresse de transmettre. Je peins beaucoup avec des bombes aérosols crevées, c'est-à-dire que je ne me sers pas du dispositif qui est prévu pour s'en servir. Je me sers de bombes que je crève, donc ça me laisse très peu de temps pour intervenir sur la toile. Donc c'est beaucoup d'instinct, beaucoup de... Je laisse la place à l'accident. Et donc quand je suis ébloui par ce qui est, si c'est produit, c'est un travail que je ne peux pas refaire parce que c'est la somme d'un ensemble de contingences.
Bon, j'ai 54 ans, j'ai commencé à peindre à 14 ans, voilà. Donc ça fait 40 ans que je travaille, à ma grande honte. En gros, mon travail a toujours tourné autour du visage humain. Il y a eu quelques échappées abstraites, mais rares. Au début, j'ai été un hyperréaliste, donc c'était de traduire la réalité objective, représentative, claire et nette. C'est complètement à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui, qui est le fruit de la spontanéité. Je ne me sers plus de modèle. Je suis longtemps servi de modèle photographique pour peindre. Aujourd'hui, je pars du néant pour travailler.